Bonjour à tous et bon vendredi, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui exceptionnellement le matin, et oui, tout est possible. Ça va pas être si exceptionnel que ça, parce qu'en fait, à partir d'aujourd'hui, 2 avril, je bosserai plus les vendredis, parce que je suis passé à 80%, ce qui va me permettre, entre autres, de faire plus de Solarus. Alors justement, aujourd'hui on va faire un petit live coding. On va commencer par faire du C++. Et ouais, je vais essayer de vous expliquer sur quoi je bosse. C'est pas, enfin, le code est un peu compliqué parce que c'est un gros hack pour contourner une petite limitation de l'UA, on va dire. J'espère que, en tout cas, vous m'entendez bien. Vous devez être surpris de me voir streamer à cette heure-ci. Moi aussi, je me sens un peu bizarre là, c'est pas habituel. J'ai mon café, donc servez-vous un café, n'hésitez pas. D'ailleurs, dans certaines régions, c'est férié aujourd'hui, mais pas dans ma région, c'est juste que je bosserai plus les vendredis. Ok. Alors, pour commencer à vous expliquer ce que je fais, le mieux, ça serait d'ouvrir l'issue. Le ticket sur GitLab, alors Solarus issues 1534. C'est des gens qui ont joué à Ocean's Heart qui ont eu un problème avec les d'ouverture de fichiers quand leur dans certaines langues en fait, en chinois ou avec des caractères cyrilliques. Et ils n'arrivent pas à charger leur sauvegarde en fait. Et tout ça, c'est à cause du fait que l'UA est basée sur le vieux standard C ANSI qui est très très limité si vous voulez. Et on ne peut pas faire de l'Unicode complètement. On arrive quand même à ouvrir des fichiers avec des accents dans le nom. Donc par exemple, si vos sauvegardes sont stockées sous Windows, dans C, documents, machin, et votre nom d'utilisateur qui contiendrait un accent, suivi du dossier de Solarus et de votre jeu, eh ben, ça marche, parce qu'on passe le nom du fichier en UTF-8. Mais apparemment, l'UTF-8, ça marchait pas pour certaines langues. Et donc il y a Hugo, qui fait partie de l'équipe de développement de Solarus, qui a compris cette histoire de ANSI C et donc de l'UA. L'UA utilise la fonction fopen, qui est la façon standard d'ouvrir un fichier en C. Et en fait, dans certains cas, enfin c'est que sous Windows d'ailleurs ce problème, parce que Windows ne supporte pas ou mal UTF-8. Mais voilà, la bonne façon de faire sous Windows, c'est d'utiliser la version encodage Windows sur deux octets par caractère, d'ouvrir un fichier avec une fonction qui s'appelle donc W, je sais plus quoi. J'essaie de la retrouver. WFOpen. Donc là, moi, je suis sous Linux en ce moment. Mais je teste quand même le code qui nous permettrait d'appeler WFOpen au lieu de FOpen. Donc la difficulté, elle est pas juste là. Le problème, c'est que FOpen, normalement, c'est pas nous qui l'appelons, c'est l'UA. Parce que on appelle io.open pour avoir toute l'API l'UA après. Pouvoir manipuler des fichiers depuis le Lua pour que le créateur de quête Solarus puisse manipuler des fichiers. Et donc on peut pas facilement dire à Lua, tiens, s'il te plaît, utilise WFOpen au lieu de FOpen. Donc là, j'ai implémenté une sorte de gros hack bien dégueu
En fait, je crée, c'est la fonction create file pointer. J'ai besoin de demander à l'UA de créer une user data de type file, mais que ce soit moi qui appelle eh ben soit fopen, soit wfopen. Et le problème, c'est que la seule façon de créer une user data en l'UA de type file, ça crée la user data et ça appelle fopen. Donc du coup, là, je fais un hack pour créer la user data moi-même. Et après, alors en Lua standard, c'est assez facile encore. Je peux la créer juste moi-même et lui dire qu'elle est de type fichier, de type file. Et après, ça marche. Mais ça serait trop facile s'il n'y avait que ça à faire. Parce que, comme vous savez peut-être, Solaris utilise Lua ou LuaJIT, Just-in-Time Compiler, pour Lua. Et donc il faut que je détecte si on est en mode Lua standard ou en mode LuaJIT. Et quand on est en mode LuaJIT, c'est un peu plus compliqué. Donc je suis allé fouiller dans le code de LuaJIT pour savoir ce qu'il fallait faire. Et donc cette fois-ci, il faut créer une user data de type une structure qui a un file. Un pointeur file standard plus un machin qui s'appelle type. Et en fait, ça indique si c'est le type de fichier. Est-ce que c'est un fichier standard? Est-ce que c'est une communication avec un processus ou des choses comme ça? Et c'est nécessaire que ce truc-là soit bien renseigné, sinon après, il sait pas comment fermer le fichier correctement et ça va crasher. Et côté Lua, tout ça est géré directement par la métatable, donc j'ai rien à faire de plus. Merci Mimi Fleur. Alors, je pense que tu es désolé, tu dois pas comprendre grand-chose de ce que je raconte. Mais même là, ce que j'explique là, même pour les développeurs, enfin, ça va être chaud à comprendre si vous connaissez pas l'UA. Mais je vais expliquer au mieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je fais un hack dégueu. En gros, je fais un réinterprète cast pour. En fait, ça, c'est une structure que j'ai recopiée du code source de LuaJIT. Et parce que elle est pas publique, si vous voulez. Normalement, j'ai pas le droit de la changer, quoi. Mais donc, je crée une structure identique à celle qui est dans LuaJIT. Et je fais un réinterprète cast pour pouvoir la manipuler et changer le champ que je veux. Donc, ouais, c'est un peu chaud, mais en fait, ça marche. Est-ce que j'ai encore le. Donc ça, j'ai pas inventé, j'ai juste. Entre guillemets, juste. Non, c'est pas ça. J'ai regardé le code source de LuaJIT. Donc là, c'est dans lib.io en fait. Editor C++. Donc il y a une fonction file new, mais qui est pas publique malheureusement. S'il était public, ça serait facile à faire. Qui crée une user data. Il faut juste que, en fait, j'implémente l'équivalent de ces quelques lignes-là. Mais ouais, déjà, cette structure-là, elle est statique. Donc c'est pour ça que je l'ai reproduite. Donc j'alloue une structure de la même taille. Donc ça marche très bien. Et ensuite, ça, c'est. En gros, faut aller regarder. Je suis allé fouiller de tout ce que ces trucs font. Mais là, il va récupérer un pointeur qui est des métadonnées en fait par rapport à cette user data. Parce que si vous voulez, en gros, en plus de ces deux choses-là, on a plein d'autres informations comme l'environnement, la metatable, des informations sur le garbage collector. Et donc ces infos-là, elles sont situées en mémoire en fait juste avant cette structure, cette petite structure. Si vous voulez, si on regarde le code de Lua New User Data, bon là je l'ai pas. Il est dans un autre fichier, je pourrais vous le montrer aussi, mais en gros il alloue en fait pas seulement cette taille-là, mais il alloue la taille de ce truc-là, suivi de ça. Et ce truc-là, c'est tout un tas de trucs. Voilà. Et le seul but, c'est de mettre ce champ-là pour que le type de la user data soit correctement renseigné comme étant un fichier. Donc c'est un peu ça le plus dur à faire. Et après, ça j'ai réussi à comprendre ce que c'est juste
Ça c'est facile à faire aussi. Et ça, c'est mettre la meta table du type. Mais j'ai pas besoin de faire de hack pour faire l'équivalent de ça. Je le fais en appelant directement une fonction publique qui existe. Donc, si je reviens à mon fichier, voilà, c'est cette structure-là que j'ai reproduite. Donc, en fait, j'alloue la petite structure du fichier plus type. Et ensuite, je sais que en interne, l'UAGIT, il a alloué en fait la mémoire qui contient ce truc-là, suivi de ça. Donc c'est pour ça que je fais un réinterprète cast. Je pars du pointeur file udata qui est là, et puis je fais une magnifique arithmétique de pointeur pour revenir au début de cette structure-là, et ça me permet de changer le fameux udtype, qui est le seul truc que j'ai besoin de changer. Que j'ai vraiment besoin de hacker. Et après, je fais la meta table en utilisant les fonctions standard de l'UA, donc là, il n'y a pas de problème. Voilà, donc si ça vous semble déjà costaud, alors ça va pas s'arranger parce que le petit truc rigolo qu'on a découvert, c'est que en fait, on ne sait pas la taille de ce type-là. Dans le fichier source de l'UAGIT que je vous ai montré, le GC UData qui est ici, il a des GCRF. Et GCRF, selon comment a été compilé l'UAGIT, ça peut être un UINT 64 ou un UINT 32. Et on n'a pas du tout besoin d'y toucher à ce truc, mais on a juste besoin de savoir quelle taille il fait pour pouvoir tomber dans le bon field quand on fait notre arithmétique de pointeur. Et GC header, c'est juste. C'est aussi encore à nouveau un GCRF. Donc à nouveau le 64 ou 32 bits, suivi de 2 octets. Pareil, on n'y touche pas, mais on a juste besoin de deviner quelle taille il fait. Et donc, cette macro-là, qui décide, qui influe sur quelle taille va faire notre structure, elle est. On n'y a pas accès, on ne sait pas à quoi elle est égale. Ça dépend de comment a été compilé l'UAGIT. Par défaut, elle est fausse. Donc pas sur les systèmes 64 bits. Mais c'est juste par défaut. Donc il y a certains systèmes d'exploitation qui ont compilé l'UAGIT avec GC 64 et d'autres non. Salutations, Mister Boulet. Bienvenue. Et puis le truc en plus, c'est que l'UA c'est fait pour pouvoir switcher entre l'UA standard ou l'UA JIT à runtime, à l'exécution, pardon. C'est les mots anglais qui me viennent. Donc, c'est pas au moment de la compilation dans Solaris qu'il faut qu'on devine si c'est 32 ou 64 bits. C'est vraiment au moment de l'exécution. Donc là, j'ai implémenté le truc jusqu'à présent en essayant de le deviner au moment de. La compilation, mais c'est ça qui est faux et qu'il faut que je corrige. Parce que les gens qui ont testé, ils ont dit que ça marchait pas partout. Et donc, alors, l'idée que j'ai eue pour le deviner, c'est là que ça devient rigolo, hein, pour le deviner au moment de l'exécution, c'est de partir du principe que c'est 64 bits, essayer de modifier cette information-là dans la structure, exactement, le len. Et après, je peux appeler une fonction lua qui me retourne en fait la taille de la user data, et ça doit me retourner la valeur de ce champ. Donc, je peux tester, est-ce que ça me retourne bien la valeur de ce champ-là? Si oui, c'est que mon hypothèse de 64 bits était correcte. Et si non, si ça ne retourne pas ce que je m'attendais, ça veut dire qu'on s'est planté et qu'on a modifié de la mémoire ailleurs. Et en fait, c'est tombé. J'ai calculé les offsets. Ça tombe sur ce champ. Si c'est compilé en 32 bits alors qu'on a supposé 64 bits. Et donc après, bah, j'ai juste à restaurer la valeur précédente. Mais au moins, j'ai l'info pour la suite. Ouais, moi, en fait, au départ, je croyais aussi que c'était juste. Si moi je compile en 64 bits, alors
Alors ça va être 64 bits, mais en fait non. Ce fameux LJ 64 là, il est. Si tu veux, l'UHD est compilé en 64 bits, mais ça ne veut pas dire que LJ 64 est défini à 1. Et en fait, on a remarqué que. Bah, par exemple, chez moi, j'ai remarqué ça sur Ubuntu. L'UHD que j'ai, qui est 1, 2.0. Point... Non, 2.1.0 bêta 3, par défaut, il est compilé avec ça qui est à off. Donc moi je suis dans le cas de 32 bits. Donc du coup, faut vraiment on est parvenu à la conclusion qu'il faut vraiment le détecter à l'exécution. Alors, en plus, pour pas simplifier les choses, tout ce workaround n'existe que sous Windows parce que sur les autres systèmes, on appelle juste fopen normal en UTF-8 avec des caractères 8 bits, ça marche très bien. Donc tout ça n'existe que sous Windows. Mais, alors du coup, pour pouvoir tester moi sur Ubuntu quand même, j'ai ajouté ce define mais que je vais pas committer, c'est juste pour pouvoir compiler le code et le tester quand même. Alors, ce qui serait bien, c'est de le tester que la première fois, je pense. Donc, ouais, je pense qu'il y a que cette fonction-là qui va devoir changer, la fameuse fonction create file pointer. Alors, déjà, faudrait. C'est ce qu'on va faire, on va faire un statique. Static bool. Alors, je vais faire une fonction comme ça qui va faire ce petit travail que je viens de vous raconter. Ah, merci, Mister Boulet, c'est sympa. Bah là du coup ça doit être un peu abstrait, là je fais vraiment je suis dans le code le plus obscur peut-être de tout Solarus. Je fais de l'arithmétique de pointeurs des réinterprètes cast. Tout ça parce que l'API Lua a pas pensé à juste exposer une fonction qui crée un user data de type file qui serait fermé, qui serait nul, nul PTR. Mais en fait ça serait pas. Mais je sais pourquoi elle n'existe pas la fonction. C'est parce que un file qui est nul PTR, on saurait pas comment. L'UA ne pourrait pas savoir comment le fermer. Parce que c'est soit fclose, soit pclose qu'il faut appeler. Les fichiers standards, c'est fclose et les fichiers communication de processus créés par popen, c'est pclose. C'est juste pour ça qu'il y a tout ce cirque. Ouais, bah c'est du C++, mais là, comme je. Dans ce bout-là du code, j'appelle des bibliothèques qui sont écrites en C. Bah du coup, ouais, automatiquement, ça ressemble un peu plus à du C. Par contre, je fais des static cast, des réinterprètes cast, au lieu de faire des casts en style C. Mais sinon, là, ouais, on voit pas beaucoup de C++, là. Voilà, donc on va essayer d'écrire cette petite fonction detect. Donc oui, en fait, il y a une macro. Je
Je vais ouvrir VS Code parce que là j'avais ouvert tout l'UAJIT et je m'y retrouvais mieux avec VS Code là-dedans. Lib.io. Ce fameux GC UData. Ouais, c'est ça, c'est le LJ GC64. Et lui, il dépend de d'une option de configuration avant la compilation qui s'appelle Disable GC64, un truc comme ça. Ou alors Enable GC64, justement. En plus, ça a changé. Entre les versions de l'UAJIT, ça s'est appelé Disable et ensuite Enable. Donc moi, je vais pas entrer dans les détails de comment l'UAJIT a été compilé, mais je vais appeler ça comme ça juste. Ouais, c'est à peu près ça que ça veut dire, si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait, c'est un peu inspiré de RPG Maker. Quand j'aurai fini ce truc-là, un peu plus tard dans ce stream, je bosserai un peu plus sur des trucs visuels où je pourrais expliquer, je pourrais montrer l'éditeur et montrer comment on fait une map et tout ça. C'est RPG Maker un petit peu, mais en plus puissant parce que tu peux. T'as beaucoup moins de limitations. Justement, j'utilisais RPG Maker il y a longtemps, et puis au bout d'un moment, quand j'ai appris à coder en C pour mes études, je me suis dit, c'est bon, je vais refaire un bout tout moi-même, comme ça, j'aurai pas ces limitations. Alors, on peut faire des tilesets beaucoup plus grands, on peut faire des maps, des tiles qui se chevauchent et qui ont la taille qu'on veut. Alors, donc c'est cool. C'est un peu entre RPG Maker, Game Maker, Multimédia Fusion aussi. J'étais pas mal influencé par Multimédia Fusion parce que c'est quelque chose que je connaissais aussi. Alors, donc cette struct-là, il faut que je la sorte. D'ailleurs, il faut que je l'écrive deux fois. Bon, ça n'existera plus. Je vais écrire deux fois la struct en fait. Il y aura la 32 et la 64. Donc ça c'est uint 32t. Non, je travaille ça sur Solaris sur mon temps libre, Mister Boulet. Mais justement, j'expliquais que à partir d'aujourd'hui, pile, je suis passé à 80% à mon travail, donc j'aurai tous mes vendredis à consacrer, alors pas seulement à Solaris, un peu à ma famille aussi quand même, mais notamment à Solaris. Du coup, tout ça c'est bon. Alors, le code va un peu ressembler à ce que j'avais commencé à faire là.
Déjà. J'aime bien faire ce code-là quand je manipule du Lua. Pour vérifier qu'une fonction ne change pas l'état de la pile une fois qu'elle a terminé son travail. Alors, je crée une UData, pas de problème. Ah oui, mais il faut que je passe le contexte. Le state. Maintenant, c'est lui à state. Bon, c'est à peu près pareil, je pinaille, mais. Ok, je crée une user data de type ce truc-là qui est bêtement un file étoile et un UIN32. Je n'initialise à nul PTR. Je dis que c'est un regular file et pas un pipe ou un stdin, stdout. Ça, on n'en aura pas besoin. On va pas l'utiliser cette user data. On va juste la modifier pour détecter si on est dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Alors, c'est là qu'il faut quand même expliquer le code parce que c'est un peu tordu. Et dans 2 ans, quand il faudra corriger un bug lié à ça ou. Ou quand il faudra mettre à jour le code parce qu'on aura changé de version de l'UAGIT, je serais bien content d'avoir des commentaires. Donc, at this point, l'UAGIT has internally allocated memory of size GCUdata plus. Io file UD. Start by assuming that GCUdata uses 64 bit pointers. Donc, voilà, mon idée, c'est de supposer que. On fait une supposition et après une hypothèse en fait, et on vérifie si notre hypothèse est correcte. Donc là, j'ai réinterprété cast mon file UData. Parce qu'en fait, l'UAUserData, ouais, comme je disais, il nous retourne un pointeur sur notre struct à nous, qui est là. Mais en réalité. Il a alloué des choses avant ce pointeur. Et c'est dans ces choses-là qu'il faut que j'aille trifouiller un field. Donc, là, je suppose que c'est 64 bits. Donc, après le réinterprète cast, on va l'appeler GCUdata 64. Après le réinterprète cast, je suis soit correctement ici. Soit, si on est dans le cas 32 bits, on est trop loin, on est trop avant la structure. Alors, mon idée, c'est de modifier ce field là. Comme ça, si on est dans le mauvais cas, on va pas être non plus dans une zone random de mémoire. On va tomber, en fait, j'ai calculé pile sur ce field là. Donc GCUdata 64 flèche env égale. Non, len j'ai dit. Déjà je vais asserter que la valeur initiale de len, en fait c'est ce que j'ai passé là quand j'ai alloué la user data.
Voilà, je voudrais qu'ils me disent si jamais je me suis planté sur ça, mais normalement c'est impossible que je me sois planté. Si. Ah bah si, justement, si on est dans le cas 32 bits. Mais alors est-ce que j'ai besoin de le modifier? Attends, du coup c'est plus simple que ce que je croyais. Ouais, on utilise Doxygen pour la documentation. Je sais pas si t'es tombé sur le lien de la doc. Je vais te le mettre. Mais on voudrait switcher vers une documentation plus moderne avec MKDocs. C'est un projet qui est en cours. Donc ça, je pense que c'est faux. J'ai pas besoin. Je pense qu'en fait, finalement, j'ai pas besoin de changer le field len pour deviner. J'ai juste à regarder à quoi il est égal. Je regarde à quoi il est égal. S'il est égal à size of machin, c'est que je suis bien dans le cas 64. Et sinon, c'est que j'étais dans env. Et env, ça va être un pointeur. Ça, c'est un pointeur. Donc, ça peut jamais être égal à size of du machin. Ok. En fait, c'est. Il suffit juste que je retourne ça et c'est fini. Enfin, il faut que je détruise ma. Faut que je détruise ma UData quand même. Après, en fait, quand on appelle cette fonction, la stack, elle a aucune raison d'être vide. Je peux pas espérer ça, en fait. Je vais enlever ces assertions. Je peux quand même faire une assertion. C'est que l'UA obj len de L moins 1. Est égal à justement. Ok, c'est plus facile que ce que je croyais. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de tenter de modifier le field et de vérifier que la modification a été répercutée au bon endroit. Mais pas besoin. Ouais, c'est des commentaires syntaxe d'oxygène, ça, effectivement. Mais là, je t'ai filé la doc des utilisateurs de Solaris, c'est-à-dire ceux qui créent des jeux avec ce moteur. Donc c'est pas la doc du code C++. Et la doc du code C++, elle est
Elle est cassée en ce moment, à cause de l'incendie d'OVH. J'ai oublié de la remettre. Oui, alors j'ai oublié de passer le L. Je réfléchis aussi à comment tester ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a des tests unitaires pour le pour tout le code que je suis en train de changer. Alors, ensuite, je crée la vraie user data, cette fois-ci celle qui va être utilisée. Alors que l'autre que j'ai créé là-haut, c'est juste pour tester si on est en 64 ou en 32 bits. Et donc c'est là qu'il faut que je fasse mon réinterprète cast selon. Selon le cas. Ok, voilà. Du coup, autant créer cette variable juste avant le moment où j'utilise, ça sera plus lisible. Pareil, ce commentaire il s'applique à cette ligne-là. Juste faire un petit. De debug. Ok, alors faut pas que je mette mon terminal maximisé parce que sinon vous voyez jamais la dernière ligne à cause de mon layout de stream. Donc comme ça devrait aller. Ah, ok. On a des tests unitaires, ouais, comme je disais. Mais le problème, c'est que quand il, à chaque fois qu'il échoue, il laisse des fichiers, il laisse des fichiers derrière. Ouais.
Je corrigerai ça après, parce qu'il pourrait très bien supprimer ces fichiers au début de l'exécution s'ils existent. Mais là, je vais le supprimer à la main. Testing quest. Ok, le test passe. Donc, a priori, ça marche. Est-ce que je vois le petit warning que j'ai mis là? Info, info, info. N'est pas passé dans ce code-là. Il y a un moyen simple de le savoir. C'est de faire péter l'assertion. Peut-être que je suis linké avec le l'UA normal et pas l'UAGIT. Ah non, c'est bien l'UAGIT. Voilà, d'ailleurs, c'est marqué là. Ok, donc je sais pas trop pourquoi on voit pas le. Ah, le warning, c'était là-haut. Il faut que je fasse logger info à la place, je sais pas. J'ai encore un unexpected data size. Ah, mais ça compile encore. Pourquoi il recompile tout ça? J'ai changé que un CPP. Je compile pas en parallèle parce que quand je stream en même temps, ça l'ordinateur n'arrive pas à suivre. Ou faut que je compile en parallèle mais sans prendre tous les processeurs. Du coup, on va attendre un peu, mais j'ai pas trop compris pourquoi il recompile tout ça. Mais en attendant, on va essayer de corriger le test unitaire. Alors, je vais ouvrir la testing quest. Et en fait, c'est une quête, donc c'est pas un vrai jeu là. C'est juste pour les tests. Ça sert de jeu de données pour les tests unitaires du moteur. Et notamment, pour chaque ticket, on a une map. Donc ça en fait beaucoup. Mais donc, Unicode File Names. Bon, ça c'est la map. Alors, y a pas grand-chose à faire dedans, mais c'est juste pour. C'est plus le code qui est important là. C'est une map sur laquelle, quand elle démarre, on s'amuse à créer des fichiers en fait. Avec des caractères compliqués. Donc ça c'est de l'UTF-8, mais quand on veut les créer, les ouvrir, c'est là que c'est compliqué sous Windows. Il faut pas appeler fopen, il faut appeler wfopen pour être sûr. Assert not file. Donc au lieu de assert, on va dire if. Enfin, on peut laisser le assert, mais juste avant. Alors la bonne nouvelle, c'est que les autres fonctions, elles marchent sans problème. Par exemple, exist, delete, il n'y a pas de problème.
Comment on fait pour supprimer un fichier? On va aller voir la doc justement. File. Il y a un seul point file point remove. Donc if exist seul.file.remove. On pourrait faire un truc plus propre, bien sûr. Faire en sorte que, en cas d'erreur, il laisse pas le fichier derrière. Mais bon. Ok, la compilation est finie. Le test passe. GC64 détection égale 1. Je m'attendais à ce que non, justement. Parce que jusqu'à présent, sur mon système, j'avais besoin de... Enfin, ça marchait que si je supposais que c'était 32 bits. Et là, il a détecté que c'était 64 bits et pourtant ça marche. Je suis un petit peu perplexe. Donc il a fait ça. Ça n'aurait pas dû marcher. Enfin, si, ça aurait dû marcher. Mais sans ce truc-là. Ça devrait être à zéro. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commiter. Je vais laisser l'info débug pour l'instant. Il faut pas que je commit avec ça, en fait. Il faut que je réactive ce code et que je désactive celui-là. Que j'enlève ça. Voilà. Faut que j'arrête de compiler depuis là parce qu'il compile en parallèle. Je compile que depuis ici. Donc là maintenant que j'ai redésactivé le code, il passe, le test passe sans aucun problème. Parce que bah juste le workaround bizarre n'est pas du tout activé, donc j'utilise io.open normal
J'appelle le io.open de l'UA. Je ne tente pas de hacker l'implémentation interne de l'UA ou de l'UAJIT. Ça, je peux refermer. Ça, c'est mon issue GitLab. Ok. Alors. Je voudrais revenir en arrière d'un commit. Pour essayer de comprendre pourquoi ça marche alors que ça ne devrait pas. Donc define. Du coup, je redefine ce truc. Je redésactive le code qui utilise WFOpen. J'utilise fopen à la place parce que le hack, de toute façon, le hack que je teste, c'est juste créer un file pointer qui est nul, mais le créer côté Lua. Et après, finalement, peu importe que j'utilise pour stocker le résultat de wfopen ou de fopen, c'est cette partie-là qui est difficile et que je veux tester. Et que je peux tester donc sous Linux quand même. Donc là, je suis revenu un commit en arrière. Juste pour vérifier que le test ne passe pas. Voilà, là, il passe pas. File expected got user data. Donc il reconnaît pas ma user data de type file, il reconnaît pas que c'est un file, mais c'est normal, c'est justement le problème que je voulais corriger. Et donc voilà, c'est parce qu'il rentre dans ce code-là, donc il considère que c'est un uint 64. Et donc il fait l'arithmétique de pointeur avec ici la structure où c'est des uint 64. Et donc ça ne marche pas. Voilà. Alors que si je force à 32, ici, là, ça va marcher en fait. Ouais, mais du coup, comme je suis revenu un commit en arrière, j'ai plus le fixe du test unitaire. Voilà, là ça passe. Comment elle s'appelait ma branche déjà? Détecte l'UAJIT bidule. Bon, je reviens où j'ai. Je reviens après mes modifs. Donc là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il dit que ça passe, alors que...
Alors qu'il a détecté. Il a activé le code de. Qui justement ne marchait pas dans ce qu'on vient de voir. Est-ce que je me suis planté? Ah! Ah non, d'accord, ok, d'accord, attendez. Là, c'est 64. En fait, j'avais les deux mêmes structures. Je suis allé trop vite tout à l'heure. Voilà! Ah oui, forcément, ça marchait! C'était Win 32. Alors ça a marché, ça aurait pas marché sous Windows. Enfin, justement, ça dépendait de comment l'UAJ était compilé sous Windows. Ok, donc là ça passe et effectivement il a détecté qu'on n'était pas en mode GC64. Peut-être le laisser ce log. Alors, je vais commiter, mais à nouveau, faut que j'enlève mon code de test. Tac. Ok, c'est bon. Non, c'est pas bon. Oula, faut que je fasse gaffe, moi. Tout dans la structure, tous les Win32 dans la structure ne doivent pas être transformés en Win64, en fait. Ouais, alors. Il est défini où mon fameux type là? Ici, ok. On va revérifier. En fait, le GC8Data, on a un UIN64 au début, c'est lui. C'est le NextGC. On a NextGC, env, MetaTable, mais pas le reste. Donc NextGC, env, MetaTable et pas le reste. Voilà. Donc ça va être testé par Hugo sous Windows avec l'UAJIT compilé en 64. Peut-être ajouter quelques commentaires. In case of LJGC64. Bien sûr, c'est l'inverse, décidément. Bon, je peux recompiler, mais. J'ai changé du code qui est de toute façon pas compilé.
Mais en fait, pour être plus précis, c'est if you want to test the code. Je suis perdu. Du coup, je vais faire un commit tiret amend parce que ça n'avait pas de sens de garder le premier commit. Ok, on va créer une merge request, alors basée sur release 1.6.5. Reviewer Hugo. C'est avec lui que je bosse sur ça. Mais il y a aussi Max qui va le tester, je pense. Je vais juste lui dire sur Discord, je sais pas s'il est là. Ok, ben voilà une bonne chose de faite. Milestone, on va quand même dire ça. Ok, ensuite, on pourrait faire quelque chose de totalement différent, mais toujours pour préparer la release 1.6.5. C'est de corriger des trucs dans le Solaris, Solaris Free Resource Pack, on va dire. D'ailleurs, je sais pas dans quelle branche je suis du côté du Resource Pack. Dev, ok. Ah, il y a tous les tests, ils sont du côté dev en fait. Y a plein de tests unitaires. Des changements.
Project.date. Ah oui, non, c'est toujours ces changements. Il y a aussi des changements dans le tileset house. Ouais. Ok. Bon, c'est pas grave. Du coup, si je corrige des trucs dans cette branche-là. Je vais peut-être pas pouvoir le faire les tests unitaires qui vont avec. J'en ai quand même un là. Ok. Jusqu'à à présent, les tests unitaires, ils étaient réservés au moteur, mais les jeux eux-mêmes ou les ressources pack n'avaient pas de tests automatiques. Mais maintenant, ils peuvent en avoir depuis peu. Seulement, ils sont exécutés sur GitLab, mais ils sont pas. C'est pas si facile que ça, les exécuter en local. Il me manque un petit script qui fait en gros ben, la même chose que ce qui est fait en. Attendez, Solarus. Du coup, ce bug-là est toujours ouvert. Bon, c'est bien. Pardon, que la même chose que ce qui est fait sur la. Pipeline. Alors Solaris Game, Solaris Free Resource Pack. Donc un jour on fera un truc évolué. Vous pourrez, en créant votre jeu, vous aurez un bouton ici, lancer les tests unitaires, un truc comme ça, les tests automatiques. Mais pour aujourd'hui, on serait déjà content de pouvoir les lancer, ne serait-ce que en console. Alors. Non, c'est pas là. Ce que je cherche, c'est le fichier .yml, voilà, GitLab CI.yml, qui est juste un include de ça. Donc en gros, c'est quand même bien fait, hein. Vous faites votre jeu, vous ajoutez juste ce minuscule fichier. Et automatiquement, si votre jeu est versionné sur GitLab, ça va vous donner une pipeline pour lancer les tests unitaires qui sont dans votre jeu. Et en fait, ça va considérer toutes les maps qui sont dans un dossier test et qui commencent par test underscore. Bah, ça va les considérer, ces maps-là, comme des tests unitaires. Donc en gros, il faut que je fasse un petit script qui. Un petit copier-coller de ça, plus ou moins. Donc je vais le mettre, on va dire, dans. Peut-être quand même dans Solaris Quest Editor, non? Vu que c'est destiné au créateur de jeu. Pas trop destiné au moteur, finalement. Mais ça va utiliser un binaire qui est dans le moteur, c'est ça le truc. Le binaire qui lance une map de test. Qui par défaut n'est pas installé d'ailleurs. Pour l'instant, je vais juste créer le fichier. Et je vais pas tout de suite le versionner parce que, comme je disais, je sais pas trop où le mettre. Je sais plus comment on fait pour tout indenter vers la gauche d'un seul coup là.
Du coup, je vais le lancer depuis. Ça serait bien de pouvoir le lancer depuis là quand même. Je sais comment je vais faire. Je vais faire. Ça va marcher que chez moi hein, pour l'instant. Mais c'est juste que je. J'ai envie de me concentrer sur les tests unitaires. Sur Free Source Pack aujourd'hui et pas sur le framework de test lui-même. C'est ça le truc. On n'entend rien, on n'entend rien. Y a pas de output du tout, c'est louche. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé de test. Ah oui, d'accord. Pourquoi il fait une regex du coup? Pourquoi il fait pas? Juste comme ça. Ah, c'est parce que le dossier test n'existe pas forcément. Pour que ça marche. Ça puisse se lancer dans toutes les quêtes, même celles qui n'ont pas de dossier quête, dossier test. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Find path must precede expression. Ah oui, mais non. Ok, ça progresse. Je pense que c'est dans bin. Non, c'est pas dans bin, c'est dans test. Test bin. Avec un S. Ouais. Ah oui, alors par contre, ce qui est pénible, c'est que on n'a pas de write directory dans cette quête-là. Parce qu'elle n'est pas censée. C'est un resource pack, c'est pas un jeu qui est censé se lancer. Du coup, c'est un peu chiant de le tester automatiquement. Et justement, là. Ici, il y a un machin qui fait, qui injecte provisoirement dans quest.date une vraie dir. Donc je vais faire pareil. Bon, c'est crade, mais je vais faire comme ça pour le moment. Ok, donc ça marche pas très bien là.
Je sais même pas ce que c'est cette syntaxe-là. Donc grid-rmap, je suppose que ça met dans une variable appelée map, et bien le nom de la map. Donc ça, ouais. Ok, alors il manque juste le préfixe test. Test le map bugs, machin. Elle est peut-être. Ah oui, mais attendez, est-ce que je suis dans la branche dev, mais est-ce que dans la branche release 1.6.5, on a déjà le GitLab CI? Oui. Donc ça marche. Je sais pas, je comprends pas comment ça marche dans la CI. Alors, je vais regarder si on l'a bien dans un projet DB. Test 16, ouais, c'est bon. Pourquoi il me dit qu'elle n'existe pas alors? C'est parce qu'il faut pas le point date. Il faut passer tirer map sans le point date. Est-ce que c'est ça que cette syntaxe était censée faire? Parce que le problème, c'est que ça donne ça, donc ça ne marche pas du tout. Ah, ok, par contre là ça marche. Donc je connais pas cette syntaxe, mais apparemment c'est ce qu'il faut faire. Mais je ne sais pour quelle raison, faut que j'enlève 1$. Il faut pas que j'enlève le préfixe test. Ouh, ça marche. Ok. Et ce petit message-là, c'est le git checkout que je fais à la fin.
Ok. Bon, je vais pas commiter ce script dégueu là, mais je vais lui juste l'utiliser pour moi. Donc ça, c'est le Solarus Free Resource Pack qui contient plein de choses, notamment plein d'ennemis d'exemple. Sauf qu'en fait, il y en a pas mal qui ne fonctionnent pas. C'est quoi ça, Oceanside House? C'est des maps d'exemple. Trop classe. Alors on a aussi plein de ou quelques scripts qui eux sont pas trop, voire pas du tout testés automatiquement pour la plupart. Alors ce que je pourrais faire, c'est peut-être un dossier enemies. Créer une map pour chaque type d'ennemi. Déjà, j'ai choisi le modèle Blacksmith, mais il s'affiche pas, donc j'ai un problème de sprite. Apparemment, il n'est pas là. Peut-être que j'avais décidé de l'enlever parce qu'il était pas trop fait pour être dans un resource pack. Mais dans ce cas, il faut enlever aussi le script. Bon, je vais enlever le script. Du coup, on va passer à l'ennemi suivant. Caméléon. Modèle caméléon, très bien. Bon, pour l'instant, je commence par un test qui fait rien d'autre qu'attendre 5 secondes. Ça va laisser tourner cette map pendant 5 secondes et après arrêter le test. C'est un bon début déjà. Ok, il a bien lancé. Il a bien tourné la simulation pendant. Alors 5 secondes. Virtuel. Parce qu'il tourne en accéléré. Et au moins, il n'y a pas eu de crash, il n'y a pas eu de message d'erreur. Je vais faire un tout petit truc, c'est que je vais faire un écho de ça. Comme ça, j'ai la ligne de commande pour le.
le retester à la main plus facilement. Et en enlevant le mode turbo et en enlevant nos vidéos. Et en enlevant nos audios, pourquoi pas. Ça, on verra ce qui se passe. Alors, ouais, bon, du coup. Ça, c'est trop chiant. Faudra vraiment que je permette de lancer une quête sans write dir. Tant qu'on n'utilise pas le problème de la feature des sauvegardes, ça marche très bien, quoi. Donc c'est bête d'obliger d'en mettre une. Ok, voilà ce que ça donne. Alors, du coup, pour l'instant, ça teste pas ses attaques, ça teste pas. Ça teste vraiment pas grand-chose. Faudrait que je regarde un peu son code pour savoir ce qu'il faut tester. C'est quoi ça? C'est un bout du HUD? C'est un cœur, je crois. Ouais, donc il se téléporte, le caméléon. Il nous attaque jamais. Par contre, si je le touche, il me fait blesser. Ok, on pourrait faire quelques petits trucs quand même. Faudrait au moins que je teste quand le héros se fait blesser. Et aussi quand on blesse l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a plein de trucs d'animation. Ah oui, il a aussi des attaques avec sa langue. Summon damage. Ok, c'est pas attaque, c'est sword qu'il faut que je mette. Et vous entendez le son en fait là? Ah non, je crois que j'ai coupé le son pour vous. Et moi je l'entends. Et là aussi, vous devez l'entendre. Vous devez entendre les coups d'épée.
Ok. Je pense que je vais commencer simple. Je vais faire un petit test comme ça très général pour chaque ennemi. Ouais, je vais faire pareil pour les autres. Il fait plein de trucs aussi. Mais là, le principal problème, c'est que le il pourrait y avoir des tests unitaires qui échouent de façon aléatoire parce que les ennemis font plein de trucs aléatoires. Mais je réglerai ça aussi un autre jour. Ah putain, ça a planté. J'ai fermé un onglet là de l'éditeur et ça a crashé. C'est pas grave. Du coup, pour l'instant, je duplique du code, mais l'idée c'est que à terme, chaque ennemi teste. Chaque test d'ennemi teste vraiment les caractéristiques de l'ennemi lui-même. Je pense que le test serait mieux déjà si on met plusieurs. Genre 2. J'ai oublié de leur donner des noms.
Là, il attaque effectivement avec sa langue. Comment ils s'appellent les gobelins là? Goblin Green. C'est pas Globin, c'est Goblin. Ceux-là, ils ont l'air de à peu près fonctionner. Il me semble que j'avais quand même fait un tri, j'en avais retiré pas mal qui marchait pas. Là, je suis rassuré. Là, j'en ai testé 3 déjà, mais 3 qui ont l'air de fonctionner. Après, explosion, flamme, projectile, c'est des. Bah justement, c'est tout des projectiles ou des flammes. C'est plus fait pour être créé par d'autres ennemis. Ice Ball aussi. Ptérobat, ça, c'est un vrai ennemi. Il s'appelle les Ptérobat. Donc du coup pareil, on va commencer avec un truc générique. Putain, ça plante encore, mais c'est nouveau ça. Est-ce qu'on est en debug? Même pas. Aurait dû tout recompiler là parce que je suis passé en debug. Ok, il était déjà en debug quand même. On verra bien si ça recrache. Alors, j'en étais à mon ptérobat. Donc j'ai copié-collé les trucs du caméléon. Je verrai après pour voir ce que je peux factoriser comme code. Parce que là, vous allez me dire que je duplique du code et vous aurez raison. Ptérobat. Alors, à quoi ressemble cela? Ils font rien. Il faut s'approcher, je pense. Là, par exemple, c'est ça qu'on pourrait tester. On pourrait tester qu'au départ, ils font rien. Que quand je m'approche, ils bougent. Que quand ils me touchent, ils me font mal.
Non, je suis content, il fonctionne bien. Test Chamablin Fire. Ça crache quand j'ai des trucs sélectionnés et que je ferme la map. Alors la map view, je parie qu'elle est déjà détruite à ce moment-là. Il me semblait que j'avais corrigé un bug dans ce genre-là. Remove editor. On est en train de close. On est dans le delete de map editor. Donc on delete tous les sub-widgets, on delete la view, la scène, tous les items. Et là, bim! Il a envie de faire un map selection changed, mais c'est plus le moment. Mais c'est bizarre, je croyais avoir déjà corrigé ça. Fix crash when closing the window when entities are selected. Ça a l'air d'être exactement le même. Oula, pardon. Sauf que là, on ferme pas la fenêtre, on ferme juste un onglet. Putain, je sais plus comment. Je sais pas comment faut corriger ce genre de truc, c'est compliqué toujours. Parce qu'on est dans un destructeur.
Je crois que ça, c'est du nouveau code en fait. Le nouveau code de 1.6.5. Quand j'ai corrigé le bug de quand on appuyait sur R parfois, le raccourci clavier R, ça n'enclenchait pas le redimensionnement des entités. Ouais, ça c'est nouveau. Cette fonction qui crache. Map selection changed. Ok, donc c'est pour ça que ça crachait pas avant déjà, on sait au moins ça. Je sais pas si je peux tester que je suis en train d'être détruit ou un truc comme ça. Attendez, j'ai vu un truc. On vient d'entrevoir un disconnect là quelque part. Je sais pas où c'était. Il a disparu. Voilà. Parce que par exemple, quand je suis dans le destructeur de map editor, qui hérite de Editor. Ouais, j'ai le destructeur de map editor qui est appelé en premier, ensuite le destructeur de editor qui lui va détruire la map view. Donc là, j'ai le temps de faire des trucs, effectivement. Ok. Ok, donc je peux définir un destructeur de map view qui aura le temps de disconnect map selection changed. Parce qu'il va être appelé avant en fait le destructeur de map scene. Donc sais pas trop comment faire autrement.
Je me souviens que j'avais déjà pas mal cherché sur ça la dernière fois. Et je voyais même pas comment empêcher que quand on ferme la vue, il déclenche un changement de sélection. Il désélectionne. Parce qu'il désélectionne tout au fur et à mesure qu'il détruit les items, les machins sélectionnés. Je pense qu'il y a forcément un moyen plus propre de corriger ça, mais je me souviens que c'était pas si facile. Je suis toujours en train d'exécuter le truc en debug là, hop. Voilà. Donc on a un peu dérivé de nos tests automatiques d'ennemis là, pour corriger un petit crash. Donc par exemple, si je prends ça, sélectionner, fermer l'onglet, ça marche. Ça n'a pas crashé. Alors ils ont la même tête que les gobelins, eux. Sauf que c'est pas tout à fait les mêmes, mais ils crachent du feu, c'est ça? Déjà, eux, j'ai oublié de leur donner des noms. Ensuite, Scalfos, pareil. Bon, du coup, ça va aller un peu plus vite maintenant que ça ne plantera plus, j'espère. Voilà, des Skelfos. Je pense que les tests des ennemis, on les écrira au fur et à mesure qu'on trouvera des problèmes. Parce que je peux pas d'un coup écrire plein de tests qui vont couvrir tout le code de tous les ennemis, ça prendrait des semaines. Test Skullbat. Mais là même avec ces tests-là qui font rien à part attendre 20 secondes dans une map, je pense que je vais trouver des problèmes déjà. Est-ce qu'on ferait pas une map avec toutes les slimes? Pour que ça aille plus vite. Du coup, je la ferai en dernier.
Je vais d'abord faire Spider Skull. Voilà. Elle fait peur cette araignée. Spider Skull. Ok. Et puis aussi le code. Et le dernier c'est Wendigo, c'est quoi ça? Nouvelle map. Test Wendigo. Quoi ce truc, mais je me souviens pas de celui-là. Si on utilisait un tileset plus classe pour les pour ce test-là au moins. Générateur de contours. Alors combien on en a des types de slime? 1, 2, 3. Je pense que slime green small il est créé par l'autre. Ou pas? Split in smaller slimes when hurt. Ok, il crée un slimy green. Donc c'est pas la même chose que slime green small. On dirait que c'est la même chose qui a été renommée. Ah, il y a des petites différences. Cette canne attaque. On va tester tout ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va faire 8 salles. Ça. 960 par 720.
On va quand même mettre une petite marge. Ah, ils sont redimensionnables, eux, ils devraient pas. Aussi corriger ça vite fait. Non répétable. Il y a plein de choses en fait qui ont l'air d'être répétables et qui devraient pas. Rien de tout ça devrait l'être. Si ça, ça peut ça. Cette armoire-là, elle est correcte. Celle-là, non. En fait, il y a un raccourci clavier, je peux appuyer sur N, c'est plus simple. Ça, c'est peut-être répétable. Je fais un commit séparé pour ce truc-là. Oula. Oh là là. Ouais, c'est pas très grave ces erreurs-là. Faudrait peut-être que je les affiche pas parce que c'est normal en fait. Repeatability. Alors de retour ici, donc normalement maintenant si je sélectionne tout ça, ok il y a encore des petites erreurs, mais c'est déjà mieux. Donc les portes, en fait c'est pas compliqué, il n'y a rien qui est répétable de tout ça. Tout ça aussi. Tout ça pareil. Tout ça pareil. Par contre, ça, c'est différent. Bah, c'est déjà fait ça. Ok. Maintenant ça marche, mais c'est juste que comme j'ai
un peu trop de tiles, il peut pas trop de les portes là, il peut pas trop deviner où est-ce que je veux les mettre, mais c'est normal. En tout cas, moi, ce que je voulais faire, c'était juste redimensionner cette salle pour faire un petit peu de marge. Ah, mais on peut pas facilement avec ces murs-là. Comment ça se fait? Parce que si à la base c'était comme ça, j'aurais vu que de 32. Ça tombait déjà pas juste au départ en fait. Dans ce sens-là, ça tombe juste. Oh, c'est pas grave, c'est du détail. Comme ça. Ensuite, recentrer les portes. Non, je vais rester simple. Hop, on va rester comme ça, je préfère. Ok. Et donc l'idée, c'est qu'après, dans chaque salle, il y aura un type d'ennemi. Des bloqueurs pour que les ennemis ne passent pas dans les portes. J'aurais dû y penser plus tôt. Ok. Pourquoi CTRL G ça marche plus? Ah si ça marche, c'est juste que je peux en 16. Après, on va mettre un type de slime par salle. Slime cyan. On comprend mieux en voyant les sprites dans cette liste. Slime Egg, c'est un truc créé par le Slime Cyan. Et le Slime Green, lui, il crée des small slime ou des slimy, je soupçonne que c'est la même chose les deux et qu'il y en a un des deux qui est en trop. Slime Purple. Slime Red. Slime Yellow. Voilà, je pense que c'est tout.
Genre, tous les tests en mode non graphique. Ok, le test des slimes est passé alors? Test slimes. Peut-être que la plupart ils font des trucs que quand ils sont près de moi. Ils apparaissent que quand je suis suffisamment proche. Lui il se reproduit et il lance des flammes. Ils sont évolués quand même, hein, ces trucs. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit script qui fait marcher le héros. Mais le problème, c'est que il va se faire blesser, du coup, il n'arrivera pas à suivre le chemin que je lui dis. Je vais peut-être le protéger en fait avec des barrières. Sauf que lui, s'il lance des flammes, ça va pas fonctionner. Alors, je vais garder la même approche que pour les autres ennemis. Je ferai évoluer le test le jour où j'aurai un bug à corriger. Là, ça teste déjà qu'on peut créer des ennemis et qu'il n'y a pas de message d'erreur. C'est quand même pas tout à fait rien. Ok. Alors j'ai créé plein de nouveaux fichiers, mais j'ai pas encore mis les licences partout. Donc les points d'add des maps, c'est CC Creative Commons et les points Lua GPL. Faut pas que je commit le changement dans quest.date. Donc le blacksmith, je l'ai enlevé. Ensuite, je commit data maps tests et data project DB. Non. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que moi, un truc que j'avais remarqué, c'est que, par exemple, mes filles, elles s'amusent à créer des maps. Et
Un léger problème. Elles ont mis des ennemis et on a eu des messages d'erreur ou je sais pas. Tous les ennemis n'avaient pas l'air de fonctionner comme il fallait. C'est pour ça que je m'attendais à avoir des messages d'erreur juste en créant des ennemis et sans rien faire de plus. La molette de ma souris, elle marche plus bien. C'est chiant. Je pense qu'il faut que je me rachète une souris. C'est pas grave. Les ennemis ont l'air de marcher pas si mal que ça. C'est d'autres choses qui ont. Oh, je me suis fait geler. Ah non, là il y a eu une erreur là. Slime green. J'ai fait le tour, j'ai croisé tous les ennemis que je pouvais. J'ai quand même eu deux erreurs. Donc il y a juste un problème dans Slime Green, en plus du fait que à mon avis, il y a un fichier en trop entre Slimy et Slime Green Small. Vais faire une petite pause café, et puis on se retrouve juste après pour réparer ces petits problèmes d'ennemis. Allez, à tout de suite.
Ok les amis, c'est reparti. J'ai mon café. Alors on va corriger ces petits problèmes d'ennemis. Donc déjà... Je voudrais vérifier que c'est bien le même fichier, enfin c'est bien les mêmes scripts d'ennemis. Le slimegreen.lua de cette quête-là. En fait, c'est la quête que j'utilise pour faire des tutos aussi. Donc comme je vais bientôt réenregistrer des nouveaux tutos, je voudrais que être sûr que les ennemis fonctionnent bien. C'est bien le même. Donc slimegreen.lua. Ligne 195. Get sprite set animation break. Mais alors pourquoi il le veut dans le slime purple? Depuis quand un slime green crée un... Ah d'accord, this function is called a second time for purple slime to make them purple instead of green. Comment ça, when calling on created twice? J'y comprends rien du tout. En tout cas, on va revenir dans ressources pack test. Ok, non, je commence par placer Link près du slime green. Enfin, Link, le héros, pardon. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il n'attaque pas? C'est peut-être que quand je le tape. Pardon. Donc là, j'ai pas eu d'erreur.
Je sais pas très bien comment l'erreur s'est déclenchée au coup d'avant. En tout cas, j'ai pas vu de slam violet, hein. Ni violette. On dit un ou une slime? Il y a peut-être une couleur vaguement violette là avant de mourir les petits. Ils se reforment jamais là les slimes vertes. Ça, je peux supprimer ça, on l'utilise plus. Tous les ennemis qui testent ce code, mais... Weapon Sprite. Ouais, non, on peut supprimer toutes ces lignes-là, en fait. Il n'y a plus du tout de custom shield dans le ressource pack parce que ça n'a jamais marché, c'est beaucoup trop compliqué. Et c'est beaucoup trop, surtout c'est beaucoup trop spécifique. Y a très peu de chances que ce soit exactement ce jeu, ce code de bouclier dont les gens aient besoin. Pourquoi faire des trucs spéciaux juste pour le bouclier et pas pour d'autres items? Oh, j'en ai encore plein, j'en ai raté plein. Skelfos, Goblin Green. Spider Skull, Shamablin Fire.
C'est quoi ce on-shield collision? Je suis sûr que ça aussi on peut l'enlever. Parce que on-shield collision, ça n'existe pas du tout dans les pays. Donc c'est juste, ça serait juste si vous faites un script de bouclier qui appelle cette fonction custom quoi. Mais comme pour l'instant on n'a pas de bouclier dans le ressource pack, c'est pas la peine de compliquer. Donc, du coup je vais aussi updater ça. C'est pareil, can be pushed by shield. Shield collision test. En fait, c'est-à-dire que pour un ressource pack, je veux pas, surtout pas des ennemis qui dépendent de l'implémentation d'un item particulier, quoi. C'est juste des exemples. Goblin Green. Weapon name égale axe, slingshot, mais ça n'existe même pas ces armes-là dans le resource pack. Ah non, c'est les weapons du. D'accord, c'est les armes de l'ennemi, pas les armes de Link. Enfin, du héros. Mais quand même, on-shield collision, ça sera jamais appelé. Donc bon. Pas de custom properties. Même le get sprite damage, ça n'existe pas dans l'API. Je suis pas sûr non plus que ça ait le moindre effet. C'est pareil, is shield protecting from enemy, ça n'existe pas non plus. Get sprite damage, ça existe, ok, il est défini là. Ça, bon, pourquoi pas.
Customer attacking collision test, c'est quoi ce truc? C'est bien ce que je pensais, c'est encore du code qui est jamais appelé, sauf si on fait des trucs ultra spécifiques. Ça sera jamais appelé. Ça non plus, merde. Ok, bon, je vois plus trop de dépendances avec des scripts qui n'existent pas. Si, il y a encore l'histoire de Shield. Push by Shield, ça n'existe pas. Il y en a encore plein. Ouais, je pense qu'on va en profiter pour simplifier tout ça. Ah, mais en plus, c'est le même code que dans l'autre. J'ai l'impression qu'il a mis le On Attacking Hero identique dans tous les scripts. J'ai envie de simplifier encore plus, d'enlever le Get Sprite Damage. Parce que si on n'utilise pas le Get Sprite Damage, on n'a plus besoin de ça. Custom attacking, on l'a plus. Soyons fous, on supprime tout ça. Du coup, là, c'est là que je vais être content que mes tests unitaires existent, hein, parce que j'enlève tellement de code que il se peut que je casse des choses. Get sprite damage, j'en veux plus. C'est du code qui rajoute des fonctionnalités aux ennemis et qui est dupliqué dans tous les ennemis. Donc c'est pas le bon endroit de mettre ça dans un ressource pack d'exemple. À moins qu'il l'utilise vraiment. Je crois pas. 7 sprite damage. Ah si, il l'utilise. C'est ultra, enfin, c'est un peu chiant de le dupliquer, quoi. Donc dans Pterobat, j'ai supprimé un peu trop de choses. Par contre, les fonctions, si je les laisse, il faut quand même que j'enlève les histoires de Shield, ça c'est sûr. Donc je vais remettre ça et ça dans Pterobat.
Par exemple, le Crow, lui, il n'a pas de sprite damage. Il n'a pas la fonction, c'est le sprite damage. Donc ça, c'est OK. N'y a pas d'histoire du shield non plus. Ça j'enlève, ça je laisse, ça je laisse. Push Hero Unshield Properties. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais elle n'existe pas cette fonction. Et c'est même pas parce que je l'ai supprimée. Ça, c'est sûr que ça n'a pas marché. Ça va toujours faire ça parce que hero.push, ça m'étonnerait que ça soit défini. Je suppose que c'est le script de bouclier justement qu'on n'utilise plus. Ça doit être lui qui définit ça. Mais qu'est-ce que c'est crade? C'est même pas une fonction. Du coup, je désactive tout ça. Et ce behavior là, il est utilisé où? Local behavior. On le définit là, on l'utilise pas après.
Bon ben voilà, j'ai bien simplifié là déjà. Ouais, c'est la même chose. Ah, if notreyou.push, c'est qu'il teste l'existence de la fonction push. Et pourquoi il parle de la sword et là du shield? Ça n'a aucun sens. De toute façon, non, je veux pas faire des ennemis qui. Ton comportement dépend de si on a une fonction push qui est définie sur le héros, quoi. Restons simples. Non. C'est quelle fausse? Custom attacking collision test, c'est quoi ça encore? C'est pas pareil que custom damage, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il est défini sur Skullbat. Je vais juste vérifier que je n'avais pas supprimé ailleurs. Donc là, il faut le laisser parce qu'il existe effectivement. C'était fini là. Bon, j'ai plus d'histoire de shield. Par contre. Encore simplifier un peu. On a encore du code mort là. Donc Goblin, Wendigo, Spider Skull. Skullbat. Donc lui c'est celui où j'étais, non? Ouais. C'est le seul qui utilise un custom attacking collision test. C'est sûrement le fait qu'on peut le blesser que quand elle n'est pas en train de voler. Alors, on va continuer à enlever du code. Ça ne peut jamais avoir lieu. Oups, shield.
Voilà, il n'y a même plus le mot shield du tout dans tous les scripts d'ennemis. J'ai sûrement tout cassé, mais heureusement j'ai des magnifiques tests unitaires. Tiens, je vais vous remettre le shell. Peut-être que j'ai rien cassé, hein, c'est louche, mais c'est possible. Alors, sauf que test slime, j'avais enlevé le sol.main.exit. Bon, ça semble fonctionner. On va dire quelque chose dans ce genre-là. Par contre, j'ai toujours pas réussi à reproduire le problème là dans le script. Peut-être qu'il en faut plusieurs, on ne sait pas. Hein. Code est énorme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'espère qu'il n'avait pas uncreated une deuxième fois à la main.
Create enemy. Alors il crée des slime eggs. Qui eux ont pour slime modèle slime green. On va voir ce que ça veut dire. Il crée aussi des slimy green. Donc ça c'est quand il se fait blesser, il en crée 3. Et les slime egg, c'est quand la fonction create egg est appelée. Et elle est appelée avec un timer quand netput egg est vrai. Et netput egg est mis à vrai quand set egg enabled est true. C'est peut-être encore du code mort, si ça se trouve, personne n'appelle jamais cette fonction. Incroyable. Tout un code qui crée des œufs, apparemment. Mais ça n'a aucun effet. C'est jamais appelé. Est-ce que c'est appelé. Est-ce que c'était appelé avant, peut-être? On va quand même vérifier. Ils ont tous un seed egg, il est enabled. Toutes ces slimes. Bah du coup c'est pareil, c'est du code qui peut jamais être testé quoi, tout ça. Donc il y a ça, et ensuite il y a le fait qu'il crée donc des slimy green. Par contre ça c'est le cas, quand il se fait blesser, on les a bien vus, ça en crée 3. C'est bien eux qui sont créés. Et pas les slime green small. Je sais pas très bien la différence entre les deux d'ailleurs. Lui il appelle un restart, ce qui est débile parce que c'est déjà le cas. Restart tries to avoid bugs. What? Ça fait un peu peur. On dirait juste que ça, que Slime Green Small, c'est une ancienne version du même fichier. Que le nom a changé. Et donc, j'en ai plus besoin. Voilà. Je vais essayer d'enlever de là, mais après je mettrai aussi à jour les fichiers. Attendez, je vais pas faire comme ça, c'est trop crade.
Ah, mais j'avais pas commité le crash là, le fixe du crash. Testing Quest, c'est plus simple, on en a beaucoup moins. Et donc dans Initial Quest. C'est celle-là qui est la limite la plus importante. C'est ce que vous avez quand vous faites fichier nouvelle quête. Vous avez des ennemis prédéfinis. Et donc notamment, vous avez tous les problèmes, tout le code inutile qu'on vient de nettoyer. Et même ce fichier-là qui sert à rien. Tac. J'enlève. Après, je mettrai à jour les autres. Et je vais revenir pour l'instant au Resource Pack. Je voudrais voir la pipeline. Est-ce qu'il a exécuté mes nouveaux tests? Il y a 1 minute. Et apparemment, tout est bien passé. Ouais, il a lancé tous mes nouveaux tests. Bon, après, ils font pas grand-chose, hein. Il vérifie qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe dans les scripts d'ennemis. Que les ennemis arrivent à être créés, mais ils vérifient pas que tout fonctionne bien. Alors, pourquoi on a un slime purple qui est créé dans les slime dans le slime green? Alors, est-ce que c'est le slimy? Alors là, slimegreen.lua 195. Ah oui, mais ça a changé. Je supprimais tellement de lignes. Il n'y a plus d'animation break. Undying, ok. Donc, get sprite. Donc il y a quelqu'un qui a fait un create sprite sur un slime green. Mais avec le slime purple. On dirait d'après ce commentaire que slime purple peut appeler cette fonction, ce qui est hyper bizarre.
Lol. Ah donc attendez, il crée bien un green ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pour ça que ça marche pas. Le script du slime purple. Donc quand il tombe, au bout de 50 millisecondes, il dit qu'il se remplace par un normal purple slime, mais avec comme breed slime green. Je pense que déjà ça, déjà il s'est trompé, il voulait faire slime purple ici. Quoique là, le commentaire, il dit explicitement que le purple appelle aussi ce code. Non mais c'est pas possible, il faut pas faire ça quoi. T'appelles jamais uncreated deux fois, c'est... Non, non, il faut pas faire ça. Et cette variable sprite, elle est définie où? Ah oui, local sprite. Okay, admettons qu'on crée un slime green. Ça, c'est quand même autorisé. Mais il faut pas appeler create sprite. Il faut pas appeler uncreated. Quelle horreur. Il le fait juste parce qu'il a besoin de faire ça. Il crée un, je comprends ce qu'il veut faire. Il crée un slime green juste pour avoir un script slime basique. Et j'ai juste envie de changer la couleur du slime. Donc, enfin, quand je dis basique, 300 lignes. Du coup, il le crée. Il le supprime. On n'a pas besoin de faire if parce qu'on est sûr qu'il y en a un maintenant. Et, enfin, il crée un ennemi, il supprime son sprite par défaut et il recrée un sprite en violet. Et après, il a appelé uncreated juste pour avoir l'événement. Donc nous, on va faire... Ça reste chiant que le slime purple dépende de slime green, mais on va dire ok pour l'instant. Ouais, c'est tout, il suffit de faire ça. Du coup, on va tester. Ah oui, et c'est pour ça donc qu'il y avait le bug. Qu'est-ce que j'ai fait?
la fameuse animation break. Je comprends maintenant pourquoi il a ce problème-là, ligne 95 là. C'est pas ce script-là. Ligne 195. Qui n'est plus la ligne 195 d'ailleurs. Cette animation n'existe pas quand on est dans le cas du Purple Sprite. Donc on va rectifier. Sprite Enemies Slime. On a Slime Purple et Slime Green. Wow, c'est incroyable le nombre d'animations. Après, c'est des ennemis assez évolués. Donc l'animation break, elle fait ça. Elle n'a pas l'air d'exister dans le PNG. Il y a des trucs qui ressemblent. Je pense que le plus facile, ce serait de dupliquer l'animation Pieces et de l'appeler Break. Enregistrer. Alors je sais plus de quel côté elles sont les violettes. Ça, c'est une bleue. Ah, voilà. Donc apparemment, il faut que je fasse tomber qu'il n'ait plus ses ailes et qu'il se transforme en slime verte. Ça y est, je pense que là, c'est le cas. En slime verte, mais avec un sprite de slime violet. Si le tap, il devrait se transformer en 3. Non. Non, parce que c'est aléatoire. Il y a des petits bugs. Il disparaît un petit moment, là. Bon, c'est pas très grave. Ok. On va dire que ça a résolu le problème. Ça, c'est encore l'erreur de il y a longtemps. C'est pas l'exécution que je viens de faire. Bien, bien, bien. Alors, on va. On va committer tout ça et puis on va aller manger. Enemy. Slimes. Je comprends mieux comment fonctionnent les slimes, au moins les slimes violettes. Et c'est pas simple. Mais c'est cool, c'est cool quand même d'avoir des ennemis un peu évolués dans dans les ressources de base du jeu, du moteur. Faut que je commit tout sauf quest.nat. Data map tests, data sprites.
Purple slime. Purple slime script. Non, sprite. On va raconter ça dans le changelog. Et quel jour? Ben, de toute façon, on ne va pas le sortir aujourd'hui. In progress. Ok, alors ensuite, avant d'aller manger, ben ça je suis déjà à jour, il faut que je mette à jour Initial Quest, et c'est à peu près tout. Donc Initial Quest, c'est la quête que vous avez quand vous faites fichier nouvelle quête. Et donc dedans, il faut mettre... J'ai déjà supprimé l'ennemi qu'on avait enlevé. Et dedans, il faut que j'importe tous les changements que je viens de faire. Donc dans ces fichiers-là. Et aussi dans le sprite purple bidule. Donc je vais faire importer. Alors, quête source, c'est pas Solaris Sample Quest. Faut que je vérifie ce qu'il y a dans Solaris Sample Quest aussi d'ailleurs. Mais c'est Resource Pack. Déjà, il y en a moins dans Initial Quest que dans Resource Pack. Mais il y en a quand même pas mal. Donc, Caméléon, Explosion, Flamme. Canary Projectile, Goblin, Greenhouse, Ball Pit, Traumat. Il y a quand même la plupart. Cyan, Egg. Green, purple, red, yellow, green. Ok, je sais pas pourquoi il manque les deux derniers. Enfin, je sais pas pourquoi je les avais pas mis. Écrasé. Et donc le deuxième. D'ailleurs, j'avais aussi changé un truc dans les tilesets. Mes sprite enemies, j'ai corrigé un truc dans. Dans slime purple point date et donc taille 7 j'ai corrigé un truc dans ocean set inside fermé et alors Solaris Sample Quest faut que je regarde je suis dans quelle branche. Master. J'ai changé des choses, mais j'ai pas committé. On dirait que j'ai tout supprimé par erreur là. C'est quoi ce bordel? Qui est Tristor Data?
Alors, il y a quoi dans celle-ci? Là, par contre, il y a le blacksmith. Il y a quelques maps, on peut visiter des choses, tester des choses. Par exemple, il y a une slime room. Donc là, pareil, je vais mettre à jour les scripts. Supprimer aussi le slime green small. Écraser. Ensuite, j'avais corrigé un truc là-dedans. Ensuite, j'avais corrigé un truc là. On peut la tester quand même vite fait, la sample quest, si on veut. Voilà, slime room. Juste me promener un peu, voir s'il y a des erreurs. J'ai pas d'épée par exemple. Je peux pas forcément tout tester. Ah oui, il y a des erreurs. Ah bah là, on a bien un slime egg. On peut voir qu'il ne marche pas. Donc il y a quand même un de ses ennemis qui a créé un slime egg. Qui a tenté de créer un slime egg. Il n'y a que la fonction create egg qui fait ça et la fonction create egg. C'est que quand need put egg est vrai. Et need put egg est vrai seulement quand on appelle set egg enable, ce qui n'est jamais fait. Ah si, lui le fait, Slime Purple, il le fait. Ah, Slime Red aussi. Donc j'avais quand même raté ça tout à l'heure alors. On a le Red, Purple. Et bien que ces deux-là qui le font. Donc très bien, sauf que visiblement, ça ne fonctionne pas.
crée un spray qui s'appelle Slime Egg Blue. Et on met une animation explode, enfin egg explode qui n'existe pas. Ça doit être le système pour que les slimes se reproduisent. Ça serait bien de le réparer. Alors, sprite. Enemies slime egg. Ah, pourtant, ça existe bien. Ah non, parce qu'il a créé un slime egg blue et pas un slime egg. Slime Egg crée un sprite qui s'appelle Enemy slash Slime Egg Blue. Mais il n'existe pas. Il faut que si je regarde la première erreur. Il doit d'abord me dire que Slime Egg Blue n'existe pas. Ah. Il me manque ça en fait. Ok. Je corrigerai ça cet après-midi. Il faut que je corrige d'abord dans le ressource pack. Et après que je répercute sur les autres quêtes. Du coup, c'est tout pour le moment. Je continuerai cet après-midi, après manger. Et je pense que je continuerai en stream, parce que pourquoi pas. Merci à tous d'avoir suivi ce long live coding, live making. Et ouais, à cet après-midi. Bye!